Bienvenue dans Congo Sat TV. L'omfougou, le japab, le karambani, le misosi de ce jour est chaud, brûlant. Comme un plat de héros sans obstacle d'une matière combat qui ne blague pas avec son bénéfice. Chers Congossais, chères Congosseuses, mes chers Fougoutinos et mes chers Fougoutinias, pour votre chronique congossique de ce jour, votre chaîne du Congossais national vous conseille de prendre des gigas. Beaucoup de gigas, parce que le japap de ce jour est gigatique. Le Soka nous raconte que, pendant que les copains en béro du Bobdeur, ex-garde du corps devenu arrestateur, demandait au bobdificateur de mettre un pantalon pour aller être bobdifié dans une cellule à Bonanjo. Nos organes ont été mis à contribution par toutes les réactions dans les Facebook. Massa, tout le monde a parlé de l'arrestation du bobdeur. C'était comme si on venait d'inaugurer la fin de l'autoroute Yaoundé-Douala. C'était comme si les néos venaient de nous annoncer la fin des délestages dans nos pays des crevettes. Mais que vus-je? Que vus-je? Une embuscade du Momna pendant qu'on dansait pour l'arrestation du bobdeur. Et vous me connaissez, le sel de ma vie, c'est la vie des autres. J'ai plongé tchoukoum dans les archives momnaïques pour comprendre comment il fait toujours pour nous rendre la vie plus chère que la cherté. Que dit l'omfougou? Le Soko dit que... Il paraît que... Les gens racontent partout que... L'ongomna ne voulait pas arrêter le bobdeur pour nous laisser parler de la bobdification. Pendant que lui, il préparait en solo l'augmentation des prix pour nous bobdifier. Les lions indomptables ont gâché les plans du Ngomna. Oui, l'ongomna comptait sur une victoire des lions à la canne pour nous bobdifier le coût de la vie sans que personne n'y voit rien. Si les lions gagnaient la canne le 11 février, on devait se réveiller le 12 février avec tous les prix de toutes les denrées qui auront été bobdifiées sur le marché et on ne pouvait rien faire, ni rien dire. Bon, c'est vrai que même maintenant, on ne peut ni rien faire, ni rien dire, mais on dit quand même. Donc, on va à Konjo la bobdification de la vie chère. Nanga Bali, fils de Nanga. L'omfougou du Karambani dit que l'ongomna nous prend tous comme les fils de Ngebezan. Que même si on daille tous à cause de la vie chère, aka, lui quoi dedans? Le japap de la japaperie dit que comme ils ont déjà volé tout l'argent du pays des crevettes, il faut que nous, on remplisse encore les caisses d'ongomna pour que eux, ils volent encore tout. Leurs enfants ne doivent manquer de rien en bain. Toi aussi. Le minsocie de la minsocerie dit que pour être sûr que tout le monde sentait bien la bobdification de la vie, ils ont même déjà bloqué le voyage pour le Canada. Personne n'entre, personne ne sort. Le soco du soco dans la socoterie nous dit que bientôt, les sabitous des canals Pythagore vont nous expliquer la chance de la vie chère. L'opportunité que nous avons de vivre cette bobdification de la vie au Cameroun pour une émergence à l'horizon. Le Congossa raconte que, comme tous les enfants du Ngomna sont soit en Ben, soit l'ENAM, soit la SNH, la bobdification de la vie chère ne les concerne pas. Massa, dont l'histoire du bobdeur cachait la bobdification de tout le pays. Un japap chocho nous informe que il y a un dimtété du Ngomna qui dit que la bobdification de la vie chère a été bobdifiée pour que tous les grands projets de développement du père de King Nasty puissent aboutir. Et qui? Quel projet? Barrage hydroalcoolique qu'on a fait partout là, jusqu'à les délestages continuent. L'autoroute Yaoundé-Douala qui doit finir le jour où Jésus reviendra. Le blou de Camtel qui ne marchera jamais parce que tout l'argent est fini sur Fali. Je dis, il parle de quel projet, de quel développement? Bref, le dernier Congossa croustillant nous informe que le Ngomna a déjà prévu le bi pour tous ceux qui vont oser se plaindre de la bobdification de la vie chère. Que si vous partagez beaucoup le hashtag stop vie chère, on va mettre du coup le carburant à 1500 le litre. Il paraît même que c'est le vrai prix du carburant là-bas, mais on ne sait pas. Ah oui, il ne nous reste plus que la musique pour nous consoler. La porte est démolie.
S'il te plaît, King Nasty, dis à ton père de ne pas laisser qu'on nous bobdifie la vie comme ça. Je te jure qu'on va danser ta chanson. On va streamer, liker, partager, commenter les bons commentaires. On te garantit minimum 5 millions de vues en 24 heures. Mais pardon, King Nasty, mets dans ton clip le hashtag Stop Vie Chère. En tout cas, en attendant que le hashtag Stop Vie Chère intéresse les influenceurs et les influenceuses qui ont été secoués par le bobdeur, je suis et je reste le fétiche au-dessus de la case de Karabakh. Je zoome, je dézoome et je rezoome dans la vie des gens. Je ne laisse nulle place où le socle ne passe et repasse. Avec Kongosa TV, le Japaba plus fort.